réalisateur, compositeur et producteur, Cerrone est un personnage multifacette, au destin hors du commun. Il est la star incontestée du disco et règne depuis plus de 30 ans sur les pistes de danse de l'Europe aux USA, en passant par l'Asie ou l'Australie. Sans cesse, il a repoussé les barrières des générations et est devenu une figure emblématique des 70s dont l'empreinte et le style ont traversé les courants musicaux. Cerrone est considéré comme l'une des plus importantes influences musicales d'aujourd'hui. 1976, Cerrone produit seul son premier album, Love in C Minor. Après s'être vu refusé par les principales majors, il ne désespère pas et en fait presser 5000 exemplaires en Angleterre, exemplaires qu'il distribuera lui-même dans les magasins parisiens. Par erreur, un carton de vinyle déposé dans un magasin est envoyé aux USA et découvert par un DJ qui commencera à jouer le titre dans les clubs new-yorkais. C'est le succès immédiat, le titre deviendra un énorme hit dans les discothèques du monde entier. 1977, sortie officielle de Love in C Minor aux USA chez Atlantic Records. Le titre est un vrai succès et se place dans les premières places des charts US disco et R&B. L'album s'écoule à 3 millions d'exemplaires, c'est la naissance du disco. 1977, Cerrone compose son deuxième album, Cerrone's Paradise. Il reçoit ses premières récompenses aux USA, dont Nouvel Artiste de l'année et Meilleur Producteur de l'année. Sorti de l'album Supernature, l'album s'écoulera à plus de 8 millions d'exemplaires. Cerrone remporte 5 récompenses à la cérémonie des Billboard Awards. Meilleur artiste masculin, meilleur compositeur de l'année, meilleur musicien, meilleur arrangeur et meilleur producteur de l'année. Supernature, Love in C Minor, ces tubes qui ont fait le succès de Cerrone dans les années 80 ont traversé les modes et les courants musicaux. Is down below. Album, Cerrone 3, un autre tube toujours incontournable, Give Me Love. Sortie de Je suis musique, extrait de Cerrone 4, The Golden Touch. L'album est disque d'or le jour même de sa commercialisation aux USA. Pour célébrer le lancement de ce nouvel album, tous les journalistes américains et européens sont conviés à la prestigieuse discothèque Le Studio 54 pour un incroyable showcase. Nous sommes le 2 décembre 1978. Cerrone se produit à Pantin devant 12 000 personnes sous une pyramide de plexiglas de 16 mètres de large et de 12 mètres de haut. C'est le début des grands concerts événements qui feront la marque Cerrone. Plus qu'un événement, le concert crée la polémique. 20 personnages, hommes et femmes, entièrement nus, jaillissent de la pyramide. We'll be right back.
79, Céron sort son cinquième album, Angelina, réalisé avec les membres du groupe Toto. Les sonorités de cet album allient rock et électro, une innovation à l'époque. Il reçoit deux prestigieuses récompenses à la cérémonie des Grammy Awards aux USA, meilleur producteur et meilleur compositeur de l'année. En 1982, Céron profite du début des 80s pour écrire et composer pas moins de 3 albums. Céron 7, You Are The One, Club Underworld et The Collector. L'album Céron 7, You Are The One révèle une jeune artiste qui va devenir une star de la house. Son nom, Jocelyn Brown. En 1988, Céron met en scène un opéra rock, The Collector. Jacques Lang, alors ministre de la Culture, confie à ce créateur visionnaire l'espace du Trocadéro jusqu'au pied de la Tour Eiffel pour la création d'un événement musical hors du commun. Paris osé, Céron réussit l'exploit de réunir sur scène les stars du moment. Le groupe Yes, Earth, Wind & Fire, Art of Noise, la soprano Mary Hopkins et même la chorale de l'Opéra de Paris. Ils vont tous jouer ensemble cet opéra composé par Céron. En 1989, Céron signe un événement intitulé Evolution, célébrant le bicentenaire de la Révolution française. Il rassemble, sous le thème des droits de l'homme, plus de 600 000 spectateurs, place de la Concorde et de chaque côté des rives de la Seine. Céron en profite pour enregistrer son 13e album, Way In. Art of Me, le premier extrait d'album, est interprété par Laura Branigan. Deux ans il a fallu pour réunir ce que vous allez voir. Impressionné par les spectacles du Trocadéro et du Bicentenaire, les Japonais confient à Céron le programme d'inauguration de leur première chaîne télésatellite haute définition. Céron voit grand et les moyens qui lui sont donnés lui permettent de produire son show tout en le diffusant en live à la télé depuis le port de Tokyo. 800 000 spectateurs sont présents.
Ce spectacle connaît un succès tel que Broadway demande à Cérone d'adapter cette comédie musicale pour le théâtre. En 1992, Dreamtime, la comédie musicale de Cérone à Broadway, au Ed Sullivan Theater, reste plus de 10 mois à l'affiche. En 1995, Cérone rencontre sa sainteté le Dalai Lama, qui lui confie des textes sur la non-violence et l'amour. Cérone choisira de les mettre en musique dans un album intitulé Human Nature. Nice, le 15 août 1996. Human Nature devient Planète Opéra, un concert-événement dédié à la non-violence et au message personnel de sa sainteté le Dalai Lama. Cérone, une nouvelle fois, trouve l'originalité dans la création de ces événements. Il signe un spectacle dont la scène est une barge de 45 mètres de large, disposée face à la promenade des Anglais de Nice, entourée de 8 autres barges recevant effets spéciaux et feux d'artifice. Le public, installé face à la mer, compte plus de 250 000 personnes. Au coucher du soleil, la diva Montserrat Caballé ouvre par une interprétation magistrale ce spectacle à la mise en scène théâtrale. La diva Montserrat Caballé, sur des textes du Dalai Lama et une musique house signée Cérone, une fois de plus, ce mélange des genres est couronné de succès.
printemps 2001, Bob Sinclar rend hommage à l'homme qui a été sa source d'inspiration. Il donne naissance à un album intitulé Cérone by Bob Sinclar, mixé avec une sélection des meilleurs titres de Cérone. Cérone revient enfin avec un nouvel album original, Hysteria. Son 16e album sera résolument dance, aux couleurs des jeunes DJ qui l'ont remixé. De là naîtra le concept d'Hysteria Party. Cérone transforme durant toute une nuit l'Olympia en la plus grande discothèque de Paris. Cet événement musical attirera 3000 spectateurs, une soirée dont les retombées médiatiques résonnent encore.